Le 115, bonjour à tous et bienvenue au nouveau. Le 115 sur les comparatifs. Pour comparer, on utilise plus que, comparatif de supériorité, moins que, comparatif d'infériorité, aussi que ou autant que, comparatif d'égalité. Exemple avec un adjectif. Mes étudiants sont plus jeunes que moi. L'adjectif est jeune. Ici, on compare les étudiants avec moi pour l'âge. John est moins grand que son papa Amjad. L'adjectif est grand. Ici, on compare un enfant et son père pour leur taille. Fat'a est aussi jolie que Fadumo. L'adjectif est joli. Ici, on compare deux personnes pour leur beauté. Exemple avec un verbe. Fat'a parle plus que Fadumo. Le verbe est parler et se met avant le comparatif plus que. On compare deux personnes pour leur façon de parler. Je prends moins que vous le bus. Le verbe est prendre et se met avant le comparatif moins que. Yassim travaille autant que Jama. Le verbe est travailler et se met avant le comparatif autant que. On compare deux personnes pour leur travail. Exemple avec un adverbe. Amira écrit plus souvent que son mari Amjad. L'adverbe est « souvent » et se met entre « plus » et « que ». On compare deux personnes pour leur nombre de textes. La voiture va moins vite que le TGV. L'adverbe est « vite » et se met entre « moins » et « que ». On compare deux moyens de transport pour leur vitesse. Attention à l'adjectif « bon ». C'est un bon gâteau. Pour comparer deux gâteaux, on dira « ce gâteau est meilleur que l'autre ». Le comparatif de « bon » est « meilleur ». Et donc, au féminin, le comparatif de « bonne » est « meilleur » avec un « e ». Attention à l'adverbe « bien ». Tu étudies bien le français. Pour comparer, on dira « Ahmed étudie mieux que Adam ». Le comparatif de bien est mieux. Pas de féminin ici, vu qu'un adverbe est invariable. Si quelqu'un est malade, on lui dit « Je vous souhaite une meilleure santé ». Et en ce moment, prenez encore mieux soin de vous qu'avant. À bientôt !